La maison familiale La Louisière accueille 200 apprentis hein, pour les préparer à trois métiers différents. Tout d'abord, les métiers du commerce avec un CAP EPC, employé polyvalent de commerce, et un bac pro métier du commerce et de la vente. On a ensuite la filière fleuriste qui prépare un CAP fleuriste en 2 ans et un BP fleuriste également en 2 ans. Et enfin, on prépare également au métier du funéraire avec un diplôme de conseiller funéraire sur 1 an. Donc l'objectif de nos formations, c'est de préparer nos jeunes à des métiers, bien sûr, hein, en collaboration avec les maîtres d'apprentissage, mais également à les préparer à être de citoyens hein, capables de prendre des décisions personnelles et professionnelles. Je pense que c'est plus familial, parce qu'ailleurs, c'est vraiment, on va en cours, voilà, il n'y a pas forcément de relation entre le moniteur et l'élève où on peut discuter et de ce qui va et ce qui ne va pas. Là, on peut vraiment, ici, ou même avec les autres élèves, c'est vraiment plus familial. Déjà, par rapport aux travaux pratiques, en CAP, c'est beaucoup, on apprend les choses, on apprend à faire des bouquets, on apprend à faire des compositions. Alors qu'en BP professionnel, on évolue, on apprend à être patiente, on développe un peu des techniques, on apprend beaucoup plus, c'est beaucoup plus pointilleux. Eh bien, il y a une relation d'accompagnement personnalisé auprès des jeunes. On est vraiment là avec eux pour leur donner une écoute, une entraide et une solidarité très importante et on est là vraiment pour les accompagner au mieux avec un suivi personnalisé avec le maître d'apprentissage, les familles et l'équipe pédagogique, mais l'équipe présidentielle est aussi très importante. Une des valeurs principales en MFR, ça va être bien sûr l'accompagnement, comme je vous l'ai dit auparavant. Et puis, le jeune vient en fait nous apporter son vécu perso, personnel et professionnel. Et en fait, nous, notre pédagogie est vraiment autour de ça, autour du jeune en fait. C'est le jeune est vraiment au centre, au cœur de notre pédagogie. Il y a des outils d'alternance, en fait, il y a le carnet de liaison qui fait le lien entre l'entreprise et le jeune. Et on a également tout ce qui est suivi auprès des familles et du maître d'apprentissage. Où là, on va se déplacer 2 fois l'année et puis on reste aussi, on va en entreprise et puis on reste aussi disponible par téléphone ou par email auprès des maîtres d'apprentissage. C'est de pouvoir être, on est plus encadré, je trouve, qu'en école normale et c'est l'avantage d'une MFR. Et on a plus la possibilité de joindre les moniteurs, tout ça, quand on a besoin. Ils nous encadrent bien. Alors on a l'obligation de faire les services, donc on a chacun son service. Donc ça peut être de chambre, donc on s'occupe du ménage de la chambre, tout ça avant de partir le vendredi. Ou alors ça peut être par exemple le service de table le midi, donc on nettoie le réfectoire, on nettoie les tables, on met tout propre. Le choix de la MFR, je pense qu'il est important pour l'encadrement des jeunes. C'est vrai qu'il y a un suivi qui est quand même très important sur le plan scolarité, sur le plan aussi au niveau des maîtres d'apprentissage. On a un suivi en commun, la MFR, les parents et les maîtres d'apprentissage qui se regroupent en fait au final hein, pour que l'enfant soit vraiment à l'aise dans son milieu. Et en tant que parent, je pense que c'est important, surtout vraiment le suivi qu'on peut avoir, que le tuteur peut avoir au niveau des jeunes, ça me semble très important. Le rôle de l'administrateur est très important. Il permet donc de décider de certaines tâches au niveau de la MFR, de voter certaines décisions qui vont être prises en commun avec tout l'ensemble des administrateurs.